toute une vie à la recherche de qui il est. Dominique Chelson, un Charentais maritime né sous X, lance un ultime appel à témoins pour être en paix avec lui-même. Né sous X le 3 avril 1946 à Saintes, et à 77 ans, Dominique Chelson aimerait bien avoir des réponses à toutes ces questions qu'il s'est posées toute sa vie. Qui est son père? Qui est sa mère? Pourquoi a-t-il été abandonné dans les minutes qui ont suivi l'accouchement? C'est pas le tout d'être né sous X, c'est surtout de ne pas savoir comment les raisons et pourquoi on a été abandonné comme ça à la naissance. Le fardeau, il vient plutôt de là, de l'abandon à la naissance. Alors quand on est gamin, on s'invente une histoire. Pour Dominique, il était le fils d'un Américain, ce qui expliquerait son nom de famille, Chelson. Je suis né juste à la sortie de la guerre, donc c'est venu cette idée-là, que ça pouvait être Américain, vu qu'il y avait des Américains qui étaient surtout sur Saintes, tout ça, il y avait une base, il y avait des Américains. Jamais il n'a eu la preuve de ce qu'il avait imaginé. Durant plus de 50 ans, sa femme Christiane l'a épaulé dans ses recherches. Ensemble, ils ont remué ciel et terre avec persévérance, sans résultat. Aujourd'hui, ils relancent leurs recherches, notamment sur les réseaux sociaux, pour eux, mais aussi pour leurs trois garçons, devenus à leur tour parents aujourd'hui. Pour les enfants aussi. Oui, pour les enfants aussi, et puis pour lui, parce que bon, il serait content quand même de retrouver sa famille, enfin de voir qui est, d'où il vient, quoi. C'est surtout d'où il vient. Ouais, père ou mère, on ne sait pas sûr qu'on te retrouve, mais s'il y a frère ou demi-frère, ou demi-sœur, bon, ça serait bien de savoir d'où il vient. Mais même pour les enfants. Et l'histoire, connaître l'histoire aussi. Une ressemblance avec son visage, un secret de famille enfoui depuis 77 ans, c'est un ultime appel que lance aujourd'hui Dominique Chelson à tous ceux qui pourront l'entendre, même à l'autre bout du monde.